Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo sur FS22, Farming Simulator 22 et sur les trophées, comment obtenir tous les trophées de Farming Simulator 22 pour obtenir le Platinum. Et bien voilà, on va voir tout ça ensemble, comment faire sans cheater ou avec cheat. On va voir tout ça ensemble, à tout de suite. Retrouver les trophées comme dans FS19 dans le menu trophées du menu principal juste ici, et vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce que vous avez déjà eu et tout ce qui est à avoir. La différence avec FS19, c'est que c'est pas du en fait vous avez aucune idée de ce que ça veut dire. C'est que des fois vous allez obtenir un trophée, ça va vous mettre une petite phrase bien gentille, mais vous avez aucune idée de comment vous avez fait pour l'obtenir ni comment l'obtenir. Et bien grâce à ce tuto aujourd'hui, vous allez pouvoir savoir comment obtenir tous vos trophées pour enfin arriver au trophée final, le trophée Platinum. Une chose aussi qui est bien différente, c'est que comme vous pouvez le voir en haut, on est à 46 trophées contre un peu plus d'une vingtaine sur FS19, donc ça va prendre peut-être un peu plus de temps, et même si vous voulez le faire vraiment de façon officielle, roleplay, comme vous pouvez l'appeler, comme vous voulez, sans tricher, eh bien vous allez mettre au minimum un an. Maintenant, je vais vous expliquer tous les trophées différents et je vais bien vous indiquer comment faire si vous souhaitez le faire le plus rapidement possible. Si vous ne souhaitez pas, évidemment, vous pouvez toujours apprendre quels sont les trophées nécessaires, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ces trophées et puis les obtenir de façon naturelle en jouant normalement. Une des grosses différences avec FS19, c'est que sur FS22, vous pouvez débloquer vos trophées même en jouant en multijoueur. Sur FS19, dès que vous jouiez en multijoueur, eh bien les trophées étaient bloqués. Là, sur FS22, ils ne sont pas bloqués, tout du moins, ils ne sont pas bloqués pour la personne qui est l'hôte de la partie. Toutes les personnes qui rejoignent ne pourront absolument pas obtenir quelques trophées que ce soit, mais par contre tout ce qu'elles font contribuera à l'obtention des trophées pour la personne qui héberge. Donc pensez-y bien et à la limite faites-vous plusieurs parties où il y a un de vos amis qui héberge, puis à votre tour c'est vous qui hébergez pour pouvoir arriver à obtenir vos trophées plus rapidement. Dans tout cas c'est assez sympa parce qu'on peut avoir la collaboration qui peut rentrer en jeu dans l'obtention de ces trophées sur FS22, et ce qui va permettre beaucoup plus de fun et aussi de les faire quand même plus rapidement. Et voilà, sans s'ennuyer. Au niveau des contrats, cela ne changera pas par rapport à FS19. Quand vous réalisez un contrat, cela ne va compter que pour les trophées concernant les contrats. Donc les nombres de contrats réalisés, vous en allez avoir plusieurs. Eh bien, ça comptera que pour ce nombre de contrats réalisés et pas pour ce que vous faites réellement. Par exemple, si vous venez pulvériser un champ, cela n'interviendra pas dans le trophée de fertilisation. Quand vous venez ensemencer, cela n'interviendra pas dans votre trophée pour ensemencer 1 ou 10 ou 100 hectares. Donc voilà, aussi ça c'est à bien faire attention. Par contre, tout ce que vos ouvriers font, que ce soit même si vous les mettez sur des contrats ou même sur vos propres champs, eh bien cela compte par rapport au trophée. Contrairement à FS19 où seulement une des actions qui était effectuée avec différents équipements était prise en compte. Par exemple, si vous aviez un semoir qui faisait en même temps qui semait et qui en même temps venait fertiliser, eh bien il n'y avait que la fertilisation qui était prise en compte et pas le semoir. Et bien là c'est fini avec FS22, vous pouvez tout à fait prendre ceci, faire semer et fertiliser en même temps et augmenter vos trophées pour les deux catégories. Le fait de semer et le fait aussi de fertiliser. Une chose vraiment sympa sur PS5, c'est le suivi des trophées par pourcentage. Alors il me semble qu'il y a aussi quelque chose comme ça sur Xbox, mais en tout cas sur PS4, on n'avait pas cette option-là. Vous allez pouvoir trouver justement ça en dessous de votre application. Si vous descendez encore un peu, vous allez voir tous vos trophées qui sont en cours avec leur pourcentage. Et si vous remontez et que vous cliquez sur cet encadré à droite, vous allez pouvoir avoir la liste totale de vos trophées avec justement les pourcentages qui vous permettront de savoir où vous en êtes et si vos actions ont vraiment un impact. Maintenant, si vous sélectionnez un de ces trophées,
vous allez pouvoir avoir cet encart-là dans lequel vous faites démarrer le suivi, ce qui va vous permettre vraiment de suivre votre progression sur ce trophée-là en particulier. Une fois que vous avez atteint cette fenêtre, soit vous appuyez sur PS si ça n'apparaît pas, soit vous appuyez directement, vous allez pouvoir tomber sur celle-ci. En appuyant sur gérer le suivi des trophées, vous allez pouvoir non pas suivre un seul trophée, mais 5. Ça permet de voir voilà, ceux qui sont intéressants pour vous en ce moment. Vous faites OK, et là, vous allez retomber sur une autre fenêtre, et vous appuyez sur épingler sur le côté, et ça va vous permettre d'avoir en permanence affiché eh bien, ces 5 trophées que vous êtes en train de suivre. Alors, sur PS5, ça va vous prendre un petit bout, un encart de votre télé, de votre écran, alors que sur Xbox, c'est un petit peu mieux fait, et ça va s'afficher directement en jeu. En tout cas, c'est vraiment très très pratique. Alors, ne vous attendez pas à le voir dans les écrans et les images qui vont suivre, parce que premièrement, eh bien, quand vous enregistrez l'écran directement depuis la PS5, ça ne s'affiche pas. Et puis deuxièmement, parce que tout simplement, j'ai découvert cette chose-là en faisant le montage. Donc voilà, vous attendez pas du tout à le voir. C'est quelque chose que je connaissais pas avant de faire le montage de cette vidéo sur les trophées. Allez, on se lance. Ces 46 trophées, je ne vais pas les aborder exactement dans le même sens qu'ils sont indiqués lorsque vous allez dans le menu trophées que je vous ai indiqué précédemment. Je vais plutôt les aborder en catégories. Donc on va les faire catégories une par une pour que ça soit plus simple pour vous de savoir un petit peu, je trouve que c'est plus pratique de les aborder comme ça par catégorie. Je vais mettre également en lien dans la description un fichier que je posterai sur mon groupe Facebook sur lequel vous pouvez récupérer donc ce fichier et qui vous permettra d'avoir tous les trophées avec tout ce que je vais vous indiquer ici dans cette vidéo assez simplement. Juste voilà, vous aurez le nom du trophée, ce que ça fait et comment l'obtenir assez succinctement. On va commencer du coup par la première catégorie qui est la catégorie, je vais appeler ça un peu gameplay. Le premier, ça va être tout simplement avoir 10 millions d'euros. Alors oui, si vous le faites de façon normale, les 10 millions d'euros, vous allez peut-être pas les obtenir rapidement ni en premier, il va falloir du temps, hein. Sachant encore une fois que tous ces trophées que vous faites, il faut forcément les faire sur une sauvegarde. Ça veut dire que, alors, pour préciser, vous allez devoir les faire, par exemple, si vous faites le trophée sur 10 millions d'euros, il faut que sur une sauvegarde, vous ayez accumulé 10 millions d'euros. Vous ne pouvez pas accumuler 4 millions d'euros d'un côté et 6 millions d'euros de l'autre. Pareil pour le trophée, par exemple, cultiver 100 hectares, vous ne pouvez pas cultiver 50 hectares sur une partie, 50 hectares sur une autre. Par contre, vous pouvez tout à fait sur une partie avoir 10 millions d'euros et sur une autre partie avoir 100 hectares et ça comptera dans les trophées. Donc voilà, j'espère que ça sera un peu plus clair pour vous. Mais en tout cas, donc si vous avez besoin de faire vos 10 millions d'euros, bah là, pas de... il n'y a pas de mystère, hein. Il va falloir travailler dur pour arriver à les mettre de côté, sachant que tout ce qui est prêt aussi, hein, ça compte, hein, tout ce que ça va donner, c'est il faut que vous ayez 10 millions d'euros en haut, là où j'en ai que 100 000, il faut que vous ayez 10 millions d'euros. Et voilà, donc essayez de faire des cultures qui rapportent pas mal, si vous avez un peu la motivation, par exemple le coton, ça rapporte beaucoup. Voilà. Et à vous de voir comment gérer ça pour arriver à vous faire beaucoup d'argent. Sinon, il y a une façon très très simple d'obtenir ce trophée, évidemment, c'est avec le mode subvention gouvernementale. Une fois que vous l'avez installé, vous allez ici dans générateur et tout simplement, c'est les panneaux. Vous voyez celui-là, hop, il vous donne 8 400 000 euros par mois et on va tout simplement faire passer le temps. Donc là, je vais venir là, hop, on va mettre en temps x360. Voilà, travailler dur, ça paye. On a eu, alors ça a mis un petit peu de temps à arriver. Le deuxième trophée gameplay, ça va être bien d'avoir 10 heures dans une partie. Donc là, encore une fois, il faut vraiment que ce soit dans une partie. Bon, ça, vous l'aurez assez rapidement, entre guillemets, vous l'aurez au bout de 10 heures, hein, mais ça se fera sans trop de problèmes. Il n'y a pas trop de façon de cheater ça, hein, il faut juste jouer pour pouvoir avoir ces 10 heures dans une partie. Il y a aussi un autre trophée type gameplay, c'est dans les vieux pots. Il est assez particulier, en fait, vous devez... alors, c'est celui-ci dont je vous parlais, si vous voulez pas cheater, ça vous prend au minimum un an, parce que tout simplement, eh bien, vous devez revenir sur une sauvegarde qui est vieille d'un an.
Donc, pour faire ça en allant plus vite qu'en attendant 2023, ce que vous allez devoir faire, ou même fin de l'année 2022, selon quand est-ce que vous avez commencé votre première partie et que vous l'avez gardée hein, de sauvegarde, vous allez pouvoir aller directement dans vos options. Alors sur PS4, PS5, ça va être dans paramètres, système, date et heure, et là vous changez manuellement la date et vous mettez tout simplement un an de plus. Alors il faut d'abord avoir une sauvegarde, hein, évidemment, mais une fois que vous avez fait ça, vous revenez dans votre jeu, vous lancez la partie. Et là, tout simplement, c'est dans les vieux pots, trophée obtenu, c'est bon d'être chez soi. Et voilà, vous obtenez le trophée qui normalement met un an à être obtenu. Ensuite, nous allons avoir la catégorie des véhicules avec en premier le trophée viré en voiture. Ce truc n'aurait jamais pu tenir sur la rue de toute façon. En fait, simplement, il faut que vous conduisiez environ 100 km en voiture. Donc voilà, par exemple... ce pick-up. Alors, les voitures, vous allez les trouver évidemment dans la catégorie voiture. Faites attention, j'ai essayé au début de le faire avec le pick-up 2014 qui est modé et ça ne marchait pas. Tout simplement, c'était pas pris en compte les kilomètres que je faisais. Donc, si vous êtes sur PS5, encore une fois, l'avantage, c'est que vous pouvez suivre à peu près en direct l'avancée de votre trophée, de la progression de votre trophée. Donc là, par exemple, 100 km, vu que c'est en pourcentage, bah, à chaque fois que vous faites 1 km, logiquement, ça devrait monter d'1%. Donc n'hésitez pas à regarder si ça avance bien dans le sens où ça devrait avancer. Mais normalement, vous pouvez le faire du coup avec ces 4 véhicules. Et alors, soit, tout simplement, vous pouvez faire, par exemple, là, je suis sur un clic, le tour de la map. Une map, ça fait 2 km par 2 km, les maps normales. Celle-ci, en fait, quand vous faites le tour, donc là, moi j'avais commencé ici, j'ai fait le tour comme ceci, je suis descendu là, après je suis remonté là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, passer à travers, comme ça, etc. Ben, en faisant le tour, en suivant la route, ça me faisait à peu près 10 km. Donc en faisant 10 tours de map, vous devriez avoir ce trophée. Après, si vous souhaitez, par exemple, vous mettre sur No Man's Land et faire le tour aussi, comme ça, de façon plus directe, ça peut se faire aussi, bien évidemment. Et il vous reste encore l'option, alors, de trouver un champ assez large, de prendre deux élastiques, et en fait de mettre un élastique sur le joystick gauche pour tourner et un élastique sur le trigger pour accélérer et de faire ça. Et voilà, et donc là ça marchera aussi hein. Ça vous comptera les kilomètres, donc ça c'est si vous voulez le faire un peu pour que ça aille plus vite quoi. Voilà, pour pas vous embêter, et là vous posez la manette avec deux élastiques, vous regardez pas l'écran parce que sinon ça vous met la gerbe. Mais au moins vous pouvez faire votre trophée. Le prochain trophée, ça va être balade au champ, un véhicule pour tous vos besoins. Rouler 50 km avec un tracteur, donc simplement là la même chose, sauf que c'est 50 km au lieu de 100 km, heureusement parce qu'on va pas aussi vite. Je vous conseille vivement de le faire en louant un JCB pour pouvoir aller à 72 km/h et de faire les mêmes techniques que je vous ai indiquées pour le trophée précédent. Long trajet, on mise sur le long terme, je vois. Rouler avec un camion articulé pendant 50 mètres, en fait tout simplement c'est rouler avec n'importe quel camion, vous n'avez pas besoin de mettre de remorque derrière, hein. Là j'ai voulu vérifier avec ce camion modé si ça fonctionnait, et ça fonctionne. Donc je pense vraiment qu'il y a peut-être un élément, je sais pas, qui a mal été codé avec le pack de pick-up que nous a fait Adams Kong, et qui fait que c'est pas reconnu comme étant une voiture, je sais pas. En tout cas là ça marche avec celui-là, ça marche aussi avec celui de base, sans remorque, vous allez pouvoir faire vos 50 km sans aucun problème, avec les mêmes astuces que données précédemment. Trophée suivant, Van Gogh, visez-moi un peu cette classe. Voilà, il s'agit tout simplement de repeindre un véhicule. Ensuite, c'est tombé tout seul, ce n'était qu'une question de temps. Réparer un véhicule. Ensuite, réparez-moi. Vous, sérieusement, vous devriez songer à devenir membre. Eh bien, vous devez réparer 25 fois des véhicules ou du matériel. Peu importe, voilà, si c'est modé ou pas, normalement, ça devrait marcher. Ensuite, j'aime varier les plaisirs, et là, tout simplement, eh bien, il vous faut 15 véhicules en votre possession. Donc 15 véhicules que vous ayez achetés, y compris les véhicules de départ de la map si vous jouez en nouveau fermier. Les véhicules qui sont loués ne comptent pas.
Ensuite, c'est ma bécane du week-end. Et bien là, il vous faut 30 véhicules en votre possession, de même fonctionnement que pour le trophée précédent. Trophée suivant, flotte de véhicules, le dernier trophée de la catégorie véhicules. Bon, j'ai peut-être un petit problème. Acheter 60 véhicules, tout simplement, et posséder 60 véhicules pour pouvoir avoir ce trophée. Ça en fait quand même pas mal. On entre maintenant dans la catégorie agricole avec en premier, eh bien, ce qui est assez logique, le trophée de cultivation. Je lis du Shakespeare, me demandez pas pourquoi. Le premier pas de tous les agriculteurs, cultiver un hectare. Voilà, donc c'est vraiment cultiver, ça marchera pas avec le labour par exemple. Il faut cultiver un hectare. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre ce mode-là, il fonctionne. C'est un mode qui est fait par Giant, c'est Bednar, il me semble. Et qui est tout simplement un cultivateur de 18 mètres. Voilà, c'est le plus grand qui existe pour l'instant. Et ça vous permettra de faire ce trophée assez facilement, assez rapidement. De toute façon, les 1 hectare, ça se fait rapidement. Rien qu'en jouant sur la même partie, normalement, ça se fait très très bien. Pas retrouver juste une pincée, il faut penser à l'avenir, semer 1 hectare, qui est l'étape logique qui vient juste après. Et alors moi, je vous conseille encore une fois, si vous souhaitez aller plus vite, d'utiliser ce genre d'équipement, c'est un semoir de base, hein, l'Amazon, qui en plus de semer, vient fertiliser également, et les deux vont compter donc pour ce trophée et le trophée d'après, qui est belle plante, un petit coup de pouce, parfois un bon coup de main, fertiliser 1 hectare. Donc comme ça, vous allez faire les deux trophées en même temps. Usage personnel, l'étape logique ensuite, on récolte ce que l'on sème, récolter 1 hectare. Vous allez ensuite retrouver ces trois trophées dans la version 100 hectares. Vous allez donc avoir extrêmement cultivé, je ne suis pas peu fier, j'avoue, cultivé 100 hectares. Tant qu'on sème, tout va, planter un haricot fera un terrain beau, semer 100 hectares. Terrain propice, pas de repos avant d'avoir atteint l'efficacité maximale, fertiliser 100 hectares. Et fournisseur à grande échelle, voici les fruits de votre labeur, récolter 100 hectares. Donc pour cela, bien sûr, je vous conseille de vous mettre, par exemple si vous êtes sur M-Creek, et de prendre les plus gros champs, comme le 32 ici ou le 10 là-bas, et eh bien de faire tout ça sur ce même champ et de le faire, refaire, refaire. Oubliez surtout pas que vos ouvriers peuvent vous aider à accomplir ces tâches-là, et ou même que si vous vous mettez en multijoueur, vos amis aussi peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à le faire pour que ça aille beaucoup plus vite. Le trophée suivant, il s'agit de emballer ses pesées en fin de la balle. Alors attention, c'est un trophée qui est buggé. Alors normalement, il faut que vous arriviez à faire 40 balles d'enrubané, comme vous pouvez voir ici. Cependant, il n'y a qu'une seule presse qui vous permet, en tout cas au moment où je vous parle, hein, donc on est avec la version 1.2.0.2. Et donc avec cette version-là, il n'y a que la presse que j'ai actuellement qui vous permet de réaliser ça. Il s'agit de cette presse-là, la Pottinger Impress 125 FC Pro, qui est modée et qui est faite par Giants. Toutes les autres presses, vous pouvez voir, j'ai essayé avec certains d'autres, on m'avait déjà prévenu que c'était le cas, mais j'ai quand même voulu essayer avec certains d'autres, dont avec la presse modée Vicon Fastbale, eh bien, ça ne marche pas non plus pour la réalisation de ce trophée. Enfin, ça va être coton. Où auriez-vous la place de les mettre? Vendre environ 40 à 50 balles de coton. Alors désolé, je l'ai pas testé celui-là. Mais voilà, 40 à 50 balles de coton. Et ce qu'il faut faire par contre très attention, c'est de les vendre une par une. Si vous les vendez plusieurs à la fois, ça risque d'en compter qu'une seule. Donc voilà, vendez bien une par une et normalement, vous devriez obtenir ce trophée. Trophée suivant, à tort ou à raisin. C'est de l'or californien. Donc récolter environ 90 000 litres de raisin et le vendre. Donc ça, bon, bonne chance pour le faire vous-même. Ça va prendre quand même pas mal de vignobles. Mais vous pouvez aussi le faire plus rapidement en tout simplement, eh bien, avec le mode qui vous permet, donc de l'Etitou Studio, qui vous permet d'acheter tout ce que vous voulez, qui est ici le Multifruit Buying Station par Etitou Studio. Vous le posez où vous souhaitez, quand le terrain est à vous, et vous venez récupérer, et vous pouvez acheter directement, par exemple, le raisin. En plus, le prix est vraiment pas cher, donc vous pouvez même vous en servir pour faire
une entreprise, vous allez acheter et revendre, mais bon, ça, là, j'avoue que c'est un petit peu cheaté. Donc vous venez et vous vendez vos 90 000 litres de raisin et vous allez obtenir ce trophée. Olea Europa, dans le même style, c'est un fruit, pas un légume. Il faut, de cette fois-ci, vendre 60 000 litres d'olives. Et suivant, on a grain original. Mes chevaux en sont dingues. Il faut récolter, et surtout, il faut vendre 500 000 litres de sorgho. Voilà, donc ça aussi, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, surtout parce que même rien que pour le transport, on n'a rien pour l'instant en termes de mode ou quoi, pour avoir des remorques haute capacité. Cette remorque-là, normalement, elle a on peut lui rajouter un attelage à l'arrière, mais en fait, cet attelage n'est pas fonctionnel. Vous pouvez pas, je pense que c'est une petite erreur, sûrement une mise à jour qui sera faite, mais vous ne pouvez pas atteler un dolly derrière pour faire un train de ces remorques. Et de toute façon, déjà 60 000 litres, de sorgho, les camions qu'on a sont déjà en PLS, donc voilà, il va falloir quand même attendre un petit peu pour que ce soit plus simple à faire. Mais voilà, 500 000 litres, un demi-million de litres de sorgho pour arriver à obtenir ce trophée. Pierre qui roule, le chemin du succès est pavé de cailloux. Vous devez amener des pierres au concasseur et les vendre là-bas. Ensuite, on passe à la catégorie bâtiment. Le premier, c'est à court de terrain. Tout ce que la lumière touche est à moi. Et là, il faut acheter environ 20 bâtiments ou éléments de ferme. Moi, en fait, je l'ai eu tout simplement au tout début, quand je suis venu placer les panneaux de subvention gouvernementale pour arriver à avoir suffisamment d'argent. Eh bien... Trophée suivant, un petit peu plus précis, il s'agit de placer 10 usines, machines bien huilées, on pourrait bien franchiser tout ça, construire 10 usines. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 9, et la dixième, voilà, machine bien huilée, trophée obtenu. Ensuite, toujours dans les bâtiments, même si on est lié à la prochaine catégorie, ça va être le miel et les abeilles. Eh bien, vous n'avez pas chômé, vous. Achetez 15 grandes ruches. Voilà, donc on va prendre... donc ça, c'est le mode. Nous, on va prendre les ruches comme ça. Hop. Donc là, vous en prenez 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, le miel et les abeilles, trophée obtenu. Prochaine catégorie, les animaux. On va commencer avec les moutons. Quel moelleux, un empire de laine bien filé, il faut faire naître 30 moutons. Vous avez évidemment la même chose pour les cochons. Les 3 petits cochons, vous serez étonné de la quantité de nourriture qu'il leur faut. Faire naître 50 petits cochons. Et enfin, troupeau de vaches, vous ne vous imaginiez pas que ça serait tant de travail, hein. Et là, il faut faire naître 20 vaches. Tout à fait, Marguerite. Le trophée suivant, Quack en série, ça en fait des easter eggs. Alors, il faut obtenir... Alors, normalement, on m'avait dit un certain nombre d'œufs, mais en fait, je pense pas que ce soit les œufs, parce que c'est une autre partie où j'avais rempli mes poulaillers au max au niveau du nombre de poules. Et en fait, bah, tout simplement... J'avais pas réussi à obtenir ce trophée alors que j'avais cinquantaine de palettes d'œufs. Alors que là, vous voyez, j'en ai pas beaucoup. J'ai mis quand même 10 poulaillers sur la map, les plus gros, j'ai mis 10 poulaillers. Et j'ai mis à chaque fois 120 poules au début. Et j'ai juste eu à faire passer 2 jours pour l'obtenir. Et donc là, au bout de 2 jours, en fait, vous avez tout simplement doublé. Donc on est passé, j'ai fait, en gros, ça m'a fait 1200 poules qui sont nées au bout de 2 jours. Donc voilà, je vous dirais, c'est entre un certain nombre et 1200 que vous allez pouvoir avoir ce trophée-là. Vous voyez, hein, j'ai mes jeunes poules qui sont là, et mes vieilles poules plutôt, qui étaient celles du début, qui sont ici. Donc il vous faut jusqu'à 1200 poules, sûrement beaucoup moins, pour obtenir ce trophée.
Ensuite, avec les chevaux, ben en fait, il y a plusieurs trophées à avoir. Il y en a vraiment un sacré paquet. Ils ont mis un peu l'accent sur les chevaux sur cette fois-ci. Donc, un des premiers, ça va être tout simplement de sauter. Allez, hop. Oh, ils peuvent faire aussi ça. Sauter avec un cheval. Voilà. Allez, hop. Trophée obtenu. Ça, c'est le premier. Pour le deuxième, Udada, je pourrais m'habituer à aller partout comme ça. Bon, ça a mis un peu de temps à arriver, je sais pas pourquoi, mais vous l'avez sûrement vu, c'est avoir 100% d'équitation avec un cheval. Mais oui, il y a eu un petit temps de latence, c'est pour ça que je l'ai vérifié dans le menu, donc ça va peut-être poser un petit peu la vidéo. Mais voilà, il faut faire 100% d'équitation avec un cheval, et eh bien vous allez arriver à avoir ce trophée Udada. Et les deux prochains vont être en fait dans la continuité des deux premiers. Le suivant, en fait, il va s'appeler Tu n'es pas un kangourou. Sérieusement, pensez à cette pauvre bête. Et là, en fait, il va falloir sauter. Donc sauter, sauter, sauter jusqu'à ce que le trophée tombe, en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, pur sang, je suis un vrai cow-boy maman. Courir avec un cheval jusqu'à ce qu'on obtienne le trophée et qui correspond à peu près à 1 h 30, 90 minutes de course à cheval. Pour le dernier trophée des animaux, de la catégorie animaux, tout simplement, vous allez devoir venir vers votre chien et le caresser avec L3. Voilà, une vraie vie de chien. Qui c'est le gentil toutou? Si vous ne savez pas où se trouve la niche, vous la trouverez dans animaux, autres. Voilà, et vous allez trouver la niche de base. Ça, c'est un mode. Voilà, 800 euros, maison en briques. Celui que j'ai installé juste ici. Voilà, c'est pareil, sauf que c'est une maison en briques. Forestier, pour ça, vous allez avoir besoin en premier d'une tronçonneuse. Voilà, peu importe laquelle. Et tout simplement. Voilà. Avec le bruitage qui est toujours aussi bien en solo. Couper un arbre. Même esprit, on a le trophée d'après. Adieu vieille souche, si un arbre tombe dans une forêt mais que personne n'est là pour l'entendre, qui applaudit? Abattre 25 arbres. Ensuite, deux trophées par rapport aux missions. Le premier, aidez-moi à vous aider. Bien sûr que je peux m'occuper de ça, voisin. Terminer un contrat. Suivi de l'ouvrier A ne s'arrête jamais. Comment ça, prendre aussi soin de ma ferme? Terminer 50 contrats. Alors, une bonne nouvelle, je pense, pour pas mal d'entre nous. La mission sur les 100 contrats qu'on avait sur FS19 n'est plus là. Donc, on a juste besoin d'en faire 50. Autre chose qui m'a été conseillée, donc par mon avis, notre ami Ivrogno, c'est en fait d'acheter, donc quand vous avez tous les sous qu'il faut nécessaire, quand vous voulez aller un peu vite, d'acheter tous les gros champs là qui sont au centre, d'acheter vraiment tous les gros champs, de laisser que les petits qui sont sur les quatre extrémités, de venir avec quatre fois des équipements nécessaires pour faire un petit peu tout aux quatre extrémités et d'enchaîner les petits contrats. Et là, assez rapidement, vous devrez arriver aux 50 contrats. Ensuite, nous avons le même type de trophée dans toutes les maps. Donc le trophée Quelle belle couleur des souvenirs d'enfance ramenés chez vous, où vous allez devoir ramasser eh bien, tous les objets collectionnables de la map M-Creek. Voilà, comme ici. Sachant qu'il y a 10 types de 10 catégories sur cette map-là d'objets et que dans chaque catégorie vous avez 10 objets, donc il y a 100 objets à ramasser sur Elm Creek. J'ai pas encore fait de vidéo là-dessus sur ramasser, trouver tous les objets sur Elm Creek. Si vous voulez vraiment que j'en fasse une, dites-le moi en commentaire et je verrai pour vous en faire une, parce que pour l'instant voilà, j'ai pas passé le temps pour le faire. Pour le prochain trophée, c'est parti. Je suis un peu collectionneur moi aussi. Alors normalement, on devrait être sur la map Obélron pour ramasser les 20 cartouches de jeu hein, qui ressemblent à ceci, qui sont réparties sur la map. On est sur No Man's Land pour la simple et bonne raison que toutes ces cartouches, elles sont ici. Donc voilà, c'est plus simple et ça va vous compter de la même façon. Alors c'est pour ça que je pense que, en fait, de base, on a uniquement les trois systèmes qui sont sur les maps, donc de base, donc Helm Creek, Oberon et Erlengrad qu'on va voir juste après. Et je pense que quand les mappeurs
créer une nouvelle map, ils doivent se baser sur un de ces systèmes-là. Donc on va avoir apparaître sur les prochaines maps, eh bien, le même système, soit 100, soit 20, soit, ben, on va le voir juste après, pour Irongrat, combien d'objets il faut récupérer. Mais là, voilà, vous voyez, j'ai pris mes 20 objets, j'ai obtenu mon million d'euros et le trophée. Pour le trophée suivant, on doit être sur Erlengrat dans la fromagerie. Quelqu'un est chaud pour une fondue, moi je le suis toujours. Ramasser les 12 fromages de la map Erlengrat. On en a donc 12 sur cette map, il faut les ramasser. Voilà, comme ceci. Et il en reste plus que 11. Encore une fois, si vous voulez que je fasse une vidéo sur où sont les 12 fromages, n'hésitez pas à me le dire. Et pareil pour Opelron. Enfin, quand vous avez fait tout ça, eh bien, ça y est, vous devriez avoir le trophée Platinum. Donc, le dernier trophée, le trophée numéro 46, qui vous permet, tout simplement avoir les 45 autres trophées. Une fois que vous les avez tous, eh bien, vous débloquez ce trophée Platinum automatiquement. Et vous avez donc l'agriculture dans le sang, semé aujourd'hui, récolté demain. Vous avez terminé le jeu. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ça n'a pas encore été fait, et de rejoindre la famille Tractor. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à vous dire par rapport à tous ces trophées, c'est... Perdez pas courage, faites-le, dites-le moi en commentaire dès que vous avez réussi à faire Platinum le jeu. Et puis d'ici là, à la prochaine! Pour ceux qui sont un petit peu curieux, moi je l'étais aussi, et en fait, alors je pense que c'est quelque chose qui va revenir, mais que pour l'instant n'a pas encore été mis dans le jeu, il faudra attendre une mise à jour. Pour tester, dans FS19 en fait, si vous changez la date et que vous vous mettez au 31 octobre, donc jour d'Halloween, eh ben tous les persos se changent en zombies. Alors pas vraiment visuellement, hein, mais ils se mettent à marcher avec les bras devant et en mode ben voilà, vous avez compris. Et en fait, donc ça se déclenche automatiquement au 31 octobre selon votre région, votre zone horaire dans le monde. Mais vous pouvez vous manuellement le déclencher en changeant la date de votre console. Donc j'ai essayé de le faire et ça n'a pas marché. Alors je pense que ça y sera quand même au 31 octobre 2022, mais que c'est juste quelque chose qu'ils mettront dans une prochaine mise à jour et que pour l'instant c'était pas forcément une priorité.